Yo, salut les gens, c'est Expo pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouveau commentaire, une vidéo un petit peu spéciale sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, les gars, ça va être tout simplement 10 astuces pour économiser la batterie de votre smartphone, plus particulièrement votre téléphone portable, que ça soit Samsung, Apple, n'importe quelle marque. Voilà, je pense que cette technique marche pour tous les téléphones portables. Donc, alors, je vais envoyer cette vidéo à la Play Family ainsi que le bon plan de Geek en espérant qu'il me le peut parce que je pense que ce petit tutoriel pourra en intéresser plus d'un, donc c'est pour ça que je propose à ces chaînes communautaires. Donc on va directement passer au vif du sujet qui est tout simplement 10 astuces pour tout simplement économiser la batterie de votre téléphone portable. Donc on est directement parti. Donc tout simplement c'est baisser la luminosité parce que bah, ça sert à rien d'avoir une luminosité extrêmement haute. Voilà, moi personnellement je la mets au minimum histoire de voir, voilà, jusqu'à ce que je vois tout simplement. Ensuite c'est couper le vibreur. Moi personnellement je l'ai enlevé directement quand j'ai eu mon iPhone. Parce que le vibreur c'est quelque chose que je déteste, ça fait des vibrations, ça fait un boucan vraiment pas possible, c'est assez chiant comme truc. Ensuite c'est enlever les applications ouvertes que vous n'utilisez pas, donc par exemple vous avez Messenger, Facebook qui est ouvert et que vous êtes en train d'utiliser Twitter, et bien tout simplement enlever Messenger et Facebook, les applications ouvertes, donc vous appuyez deux fois sur le bouton menu et vous enlevez tout simplement les applications que vous n'utilisez pas, donc voilà. Ensuite, c'est décocher les applications qui s'actualisent, telles que la météo, désactiver ces trucs inutiles. Ensuite, c'est enlever les notifications. Ça, c'est quelque chose de très très chiant, moi personnellement, qui est joueur performance. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Les notifications sur Skype, c'est horrible. Ensuite, c'est mettre son téléphone à l'ombre quand il y a du soleil, parce qu'en gros, la batterie va surchauffer. Et forcément, bah, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir utiliser autant de batterie que vous voudrez, parce que la batterie va chauffer et tout simplement, elle va tourner. Donc, ça va vous faire perdre de la batterie. Ensuite, c'est désactiver le GPS, donc la géolocalisation, ça c'est quelque chose à bien réfléchir. Si jamais vous enlevez la géolocalisation, vous gagnerez de la batterie, mais si jamais vous faites voler votre téléphone portable, vous ne pourrez pas le localiser, ça c'est quelque chose qu'il faut bien savoir. Donc voilà, réfléchissez bien avant d'enlever la géolocalisation. Donc voilà. Ensuite, c'est quand vous sortez, désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi, parce qu'en gros, votre téléphone ne va tout simplement pas arrêter de chercher du Wi-Fi. Donc voilà, donc en gros ça va créer des ondes, votre téléphone va pas arrêter de tourner et donc il va chercher pour rien, donc perte de batterie pour rien. Ensuite c'est mettre son téléphone en mode super économie d'énergie, ça c'est très récent, voilà, c'est une nouveauté sur les téléphones portables où tout simplement ça vous fait diminuer votre luminosité, ça enlève les applications inutiles, etc. C'est vraiment super cool. Ensuite, désactiver les fonctions liées au cloud. Il y a beaucoup de choses liées au cloud. Il y a tout simplement les photos. Il y a encore beaucoup de choses, la météo, etc. Des choses vraiment inutiles. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de les enlever. C'est quelque chose qui ne sert strictement à rien. Donc voilà, donc c'était 10 astuces qui, je pense, pourront vous plaire pour économiser la batterie de votre téléphone portable. En espérant que ça vous aura plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gens, c'était Tex et ciao.